بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره عظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. Donc, vous savez, dans ces ateliers, nous prenons sept informations, sept idées, ou bien sept conceptions concernant la prière à mettre en pratique déjà dans la prière de Isha ou la prochaine prière, inshallah. Le premier, on va le trouver, inshallah, dans la parole de suivante, dans le récit. ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال داود صلى الله عليه وسلم في مناجاته إلهي من يسكن بيتك وممن تتقبل الصلاة من يسكن بيتك وممن تتقبل الصلاة فأوحى الله إليه يا داود إنما يسكن بيتي وأقبل الصلاة منه من تواضع لعظمتي وقطع نهاره بذكري وكف نفسه عن الشهوات من أجلي يطعم الجائع ويؤوي الغريب ويرحم المصاب فذلك الذي يضيء نوره في السماوات كالشمس إن دعاني لبيته إن شاء الله بخير العيش إن شاء الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقامنا المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. وإن سألني إن دعاني لبيته وإن سألني أعطيته أجعل له في الجهل حلما وفي الغفلة ذكرا وفي الظلمة نورا وإنما مثله في الفردوس في الناس كالفردوس في أعلى الجنان لا تيبس أنهارها ولا تتغير ثمارها. On rapporte qu'Ibn Abbas a dit, le prophète David, Daoud, disait dans ses confidences, ça veut dire quoi confidence? Voilà. Mazamir. Peut-être ça, les confidences, c'est Mounajette. C'est des... Peut-être ça, mais je n'ai pas d'idée sur... Est-ce que sont, c'est des écrits ou bien c'est juste des paroles? Allahu a'lam. Le continue. Mon Dieu, qui honore ta maison et qui acceptes-tu et de qui acceptes-tu la prière? Hein? Donc le sujet c'est l'acceptation de la prière. Il y a des conditions. Dieu lui révéla ceci. Ô David, n'honore ma maison et je n'accepte la prière que de celui qui fait preuve d'humilité devant ma majesté. Le premier critère pour trouver l'humilité de la prière, dans la prière, c'est quoi? Parvimullah. Donc, je vais faire preuve d'humilité devant la grandeur de Dieu. C'est la première condition. Je veux être humble dans ma prière. Hein? Je dois faire quoi? Humilité, la grandeur de... Voilà. Faire preuve d'humilité devant la grandeur de Dieu. Pense à ça avant la prière de Isha. C'est assez suffisant, comme le sang, normalement. Parce que on doit travailler ça toute notre vie. Faire preuve d'humilité devant la grandeur de Dieu. Tu peux noter ou bien mémoriser, comme tu veux. Mais, comme vous savez, ce cours est un cours pratique. Il n'y a pas de théorie. Ça, c'est à mettre en pratique juste maintenant. Comment vous imaginez quelqu'un qui fait preuve d'humilité devant la grandeur de Dieu? De comprendre au moins. De se rappeler de mes péchés en fait. Penser à mes péchés, Ruth. De chasser toutes les pensées, de penser que quand on est devant ses mains. Que... Imaginez la grandeur de Dieu. Mmh. Oui, la création, les cieux et la terre, par exemple. La grandeur de Dieu. D'accord. Notre petitesse comparée à sa grandeur. On est petit devant les cieux de la terre, les montagnes, oui. Comment faire preuve d'humilité devant la grandeur de Dieu? Penser à l'univers. L'univers, oui. Hein? Les bienfaits de Dieu et les péchés, nos péchés. Hein? La grandeur d'Allah Azza wa Jalla nous a donné la vue. Hein? Lui, la santé. Donc voilà, donc le premier point, c'est faire preuve d'humilité devant la grandeur d'Allah Azza wa Jalla. Ça, c'est la première chose. Il faut penser à ça avant la prière qui se déroulera dans quelques minutes. وَقَطَعَ نَهَارَهُ بِذِكْرِ. Deuxième condition pour trouver... l'humilité de la prière. On a dit faire preuve d'humilité devant la grandeur d'Allah. Penser aux montagnes avant la prière. Penser aux cieux. Penser à cette humanité, 7 milliards. Hein? Combien de, le monde des fourmis, le monde des abeilles. Hein? Pour penser, pour estimer la grandeur d'Allah avant la prière.
Qu'est-ce qu'on veut, nous? Qu'est-ce qu'on cherche? L'humilité dans la prière. Deuxième, on va s'arrêter sur ce deuxième, continue après l'Aïcha, Inch'Allah, qui passe sa journée à me mentionner. Ça, c'est difficile. Si je cherche l'humilité dans la prière, je dois invoquer Allah Azza wa Jalla toute la journée. Je dois passer toute la journée à invoquer Allah Azza wa Jalla. Parce que tu le vois partout après. Voilà. Là, dans la prière, je serai plus humble. C'est tout. Parce que je suis déjà humble en dehors de la prière. Est-ce que c'est clair ici? Alors, deuxième condition pour vivre l'humilité de la prière, selon notre prophète David. Pensez ma journée à mentionner Allah Azza wa Jal. Alors, vous allez me dire, c'est possible? Ça, c'est après l'Aïcha, Inch'Allah, on va voir comment c'est possible. C'est possible, il n'y a pas d'impossible. D'accord? سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين